Et bonjour à tous. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais perdu dans les vignes, sur les petits chemins? Eh bien, je suis à Galargues-le-Montieu pour un festival d'abrivado longue. Je vais essayer d'aller vers le départ. Donc on est sur le parcours hein, de ce festival d'abrivado de trois manades. Manade au Banel de Baroncelli, manade de Conti et manade de la Comtesse. Vous voyez comme c'est beau, c'est ouvert. Il a délugé hier. Et aujourd'hui, on a heureusement le soleil. Allez, on commence à voir du monde. Allez, la première longue vient de démarrer. On est bien ici à Galargues pour le revivre. La première des trois manades. Alors, si c'est dans l'ordre, c'est la manade au Banel de Baroncelli. Si c'est dans l'ordre. Ah ben voilà. Conti en premier alors. Allez, ben voilà. Alors, Conti. Allez. Ah, me dis pas des bêtises maintenant, hein. Ah, me dis pas des bêtises maintenant, hein. Ah, ok, allez. You ready? Allez, on voit les premiers chevaux. Et la longue qu'on aperçoit derrière les 4x4. Et tous ces gardiens au cas où, ça échappe. Allez voilà, je vois quelques premiers charbonneurs. Bon, est-ce que c'est là que ça pète? Est-ce que c'est là que les charbonneurs vont être en action? Pas de quoi. C'est quoi l'ordre des passages hein?
connaissez? La comtesse, le Banel et le comte. À côté, le dernier. Ouais, je vais pas suivre la main de la comtesse tout le long, hein, bien sûr. Allez, on va essayer de suivre 2-3 charbonneurs là. En action. Allez, le petit jeune là. Allez, voilà, il y a certaines têtes. Il y a certaines têtes que vous connaissez. Mathéo, que vous connaissez, un charbonneur, un grand charbonneur. Allez, on va laisser la première manade. Et on va aller attendre la deuxième manade. Ça va? Ouais. Vous ne courez pas un peu derrière? C'est la dernière. Ok, pas de soucis. Perçois la dernière. Deuxième manade qui devrait être normalement la manade au Banel, certainement. Non? Au Banel dernier? Bon, on me dit le contraire. Tout à l'heure, on m'a dit le contraire. Bon, on va voir. Donc, ça devrait être Conti alors. Pas grand monde devant là pour charbonner sur cette manade. Oui, c'est la manade Cochi. Je reconnais les gardiens, c'est la manade Cochi. Je vous confirme. Allez, 2-3 charbonneurs, pas grand monde, comparé à la première manade de la comtesse. Allez, voilà. Salut Paolo. Allez, un beau point de vue là, on voit les bio d'en haut.
Et devant notre ami Eric, qui fait son direct sur Facebook. T'es motivé, toi ? Ça va ? Ah, c'est pas grave, t'as mis les chocos, c'est bon. Il est possible, il m'a pris ce qu'il veut pas. C'est 7 euros qu'il faut filmer. Hein ? Je vois que tu mets tellement. Je filme pas ? Oh, joli ! Joli charbonnage là ! C'est bien levé ! À droite. À droite. Allez, voilà, vous avez vu une vue intérieure de cette longue. Ils sont sages comme tout, c'est bien. Les gars, vous m'écoutez ? Quand vous arrivez là-haut, il n'y a personne qui rentre la piste. Un cavalier. Il n'y a pas abîmé la piste. Ouais, faut tirer les taureaux. Allez, on va lâcher la manade Conti pour aller voir la manade Obanel qui va fermer la marche. Allez, merci à la manade Conti. Allez, on aperçoit la troisième manade, la manade Obanel de Borosselli. Voilà, apparemment ça a pété, j'ai entendu dire, mais bon. Ça a pété ou ça a pas pété ? Non, ça a pas pété. Allez. Ça y est, c'est réveillé, le Kélard, ça y est. Le Kélard s'est réveillé, repas. Oh, ça va vite quand même, je trouve, sur cette manade. Allez, ça ralentit un peu. Joli, joli saut. Allez, c'est sympathique, il y a toujours quelqu'un pour l'aider, c'est normal, c'est impeccable. Bon, Mathéo, il est plébiscité, tout le monde veut qu'il charbonne. Allez Mathéo, vous charbonnez là, c'est la fin bientôt là.
Allez, c'est la fin là. Voilà, Mathéo. C'est le jeune homme en noir. Très connu, très très connu du charbon. Voilà. Regardez comme il fait ça. Bon, pour lui, pour Mathéo, le charbonnage, c'est de père en fils. Puisqu'on connaît tous son père, qui a toujours été charbonneur. C'est pas grave la casquette. Allez, joli, ça tient longtemps. Allez, très bien, la casquette. Ouais, tu as tenu pas mal de temps, c'est bien. Allez, on va filmer un peu de derrière. Allez, tous ces jeunes, c'est bien, même en vélo, ça suit. On va essayer de s'incruster au milieu. Vas-y, vas-y. Alors, est-ce que ces jeunes attendent que ça ouvre? Ça va accélérer, on pourra pas. Allez, le but, c'est que ça ouvre et que les jeunes récupèrent au moins une queue. Ça va être difficile parce que ça va accélérer d'un coup. Oui, joli la main. Comment je passe? Allez, beaucoup de monde ici, la panique. Voyez-moi tout ce monde, tous ces jeunes qui sont là, qui veulent attendre une queue. Allez, on ouvre un peu plus là. La malade. Allez, ça va ouvrir. Allez. Allez, c'est trop dur pour moi à poursuivre. Je vais vous laisser là. Ça a été très chaud, ouais, chaud. Fatigant. Ouais. À la vôtre, messieurs, dames. Ouais. Merci. On attend, on attend. Allez, ces trois longues se terminent ici à Galargues-le-Motieu. Allez, beaucoup de monde se sont réunis au rond-point de Galargues, comme vous le voyez, sur les côtés, au centre. Ils n'ont pas voulu suivre derrière. Allez, les jeunes qui ont suivi ces trois longues. Allez, je reprends un peu mon souffle. Allez, merci les amis d'avoir suivi cette longue ici à Galargues-le-Motieu. Allez, ce dimanche matin. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.